News numéro 2, on va parler d'Emmanuel Macron et de McFly et Carlito. Donc, remise en contexte, il y a plusieurs mois, Emmanuel Macron dit à McFly et Carlito, vous allez faire une vidéo de propagande pour le confinement, pour dire aux Français en gros que c'est des merdes, qu'ils respectent pas les gestes barrières et qu'ils sont indisciplinés, et que si seulement ils obéissaient un petit peu plus, on retrouverait la vie d'avant. Il leur a dit que si la vidéo faisait 10 millions de vues ou je sais pas combien, et ben il allait faire une vidéo avec eux à l'Elysée. Alors j'ai pas regardé la vidéo parce qu'en fait, un président de la République qui utilise son temps de travail pour faire des vidéos drôles sur YouTube et faire de la propagande et faire une campagne présidentielle agressive envers la jeunesse, j'ai pas envie en fait de m'infliger ça. Et donc apparemment il avait perdu un concours d'anecdotes ou je sais pas quoi, et il avait comme gage, parce que le président de la République se fait donner des gages par des youtubeurs, ça faut quand même l'intégrer. Et donc là Emmanuel Macron, vu que c'est la rentrée, je sais pas, il a fait un petit discours, il fait des petites vidéos format Instagram maintenant, format TikTok, et donc il a fait son gage où il devait montrer la photo de McFly et Carlito qui font des grimaces. Ne vomissez pas tout de suite, parce que la suite arrive. La suite c'est que en fait, genre 30 secondes après, il dit bon, on a aussi une pensée pour Samuel Paty. La fameuse chanson de nos amis. Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Il s'en bat les couilles, clairement. Là, je peux vous le dire, il n'en a rien à cirer. Bon, je rappelle que Samuel Paty est un professeur d'histoire qui s'est fait décapiter en France. Parce qu'en fait, en France, il se passe des dingueries tous les jours, mais on zappe parce que c'est devenu le quotidien. Mais le plus important, c'est qu'Emmanuel Macron, il soit content. Il monte la petite photo, il a fait son gage. Franchement, on est bien. Ma bière halas. Donc, Emmanuel Macron, s'il vous plaît, plus de feat avec des youtubeurs, plus de gages, plus de roulades dans l'Elysée. Franchement, plein de vidéos marrantes. Quatrième dose, si possible.